بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers étudiantes, chers étudiants, tout d'abord, c'est la séance 9 de ce cours Succession et droit patrimonial. On est rendu à l'analyse de l'article 49 du Code de la famille. Et on a précisé que la lecture de cet article permet de soulever trois éléments essentiels qui feront l'objet de notre analyse dans cette partie, cette deuxième partie qui porte sur la séparation des biens entre les époux. Et puis, on a traité la question de l'indépendance financière de chacun des époux. Mais par la suite, il y avait une séance qui a porté sur la nature de l'accord qui concerne la gestion de leurs biens acquis pendant le mariage. Et puis, cette séance sera une continuité de cette possibilité ainsi que la nature de l'accord de gestion des biens acquis pendant le mariage. Alors, outre le principe de l'indépendance financière de chacun des époux, tel que mentionné dans le premier alinéa de l'article 49 du Code de la famille. Alors, cette disposition, cet article 49 a approuvé un autre principe facultatif. Alors, outre le principe de l'indépendance financière de chacun des époux, il existe un autre principe qui est aussi facultatif. Il s'agit d'un accord facultatif. Un accord qui relève du principe connu en droit civil, à savoir l'autorité de la volonté. Ce qu'on appelle en arabe sultan ou mabda sultan al-irada, qui donne à chacun des parties ou chacun des époux particulièrement le droit de gérer ses affaires et ses biens et d'en disposer de la manière qu'il juge appropriée sans enfreindre les règles impératives. À ce propos, le premier paragraphe du même article stipule toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage. Sur la base de cette disposition, il paraît que le législateur parle d'un accord facultatif, un accord par lequel les époux peuvent organiser et gérer leurs biens acquis pendant le mariage. Un accord qui peut aussi préciser comment ces époux vont investir et répartir leurs biens, c'est-à-dire comment sera l'investissement et la répartition, c'est-à-dire comme on l'a dit et comme ça a été mentionné dans l'article en utilisant le terme de fructification et de répartition des biens. Il s'agit d'un contrat qui exige la concordance de deux volontés, c'est-à-dire l'époux et l'épouse, pour produire un effet juridique, c'est-à-dire la concordance de volonté de deux époux concerne
la volonté, bien sûr, de conclure. Pour la conclusion, on sert la conclusion de l'accord de gestion de leurs biens acquis pendant le mariage, tandis que les faits juridiques se matérialisent dans la manière de se procurer et de gérer ses biens acquis pendant le mariage. Notons aussi que cette disposition est une règle supplétive. Et là, la règle supplétive et la règle impérative a été déjà étudiée en S1, introduction aux sciences juridiques. Alors, on est devant une règle supplétive. Il est clair que le législateur marocain parle ici, dans cette disposition, d'une règle complémentaire, d'une règle facultative ou interprétative, indiquant ce qui est souhaitable que les deux époux fassent. C'est une règle qui ne s'applique que si les époux la choisissent pour réglementer leur relation conjugale. Autrement dit, cette règle supplétive ne s'applique que dans la mesure où les époux n'ont pas exprimé de volonté contraire. C'est une règle caractérisée par le fait que son application peut être écartée par une manifestation de volonté des époux, tant qu'ils ont la capacité civile de conclure le dit contrat, et tant qu'ils ont bien sûr la liberté de conserver leur patrimoine propre conformément à cette disposition ou conformément au principe vu et étudié, à savoir le principe de l'indépendance financière de chacun d'eux. La formulation de cette disposition permet aussi de confirmer qu'on est devant une règle supplétive. Pourquoi ? Parce que le législateur n'a pas utilisé des termes qui visent des ordres ou des termes qui visent des interdictions, etc. Mais plutôt des termes qui vont dans le sens de la possibilité de s'accorder sur une volonté contraire à la règle de droit en disant toutefois, c'est-à-dire selon la formulation de l'article, toutefois les époux peuvent se mettre d'accord. Alors on est devant une possibilité, alors on est devant une manifestation de volonté. Alors c'est un choix, ils peuvent choisir de se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils ont acquis pendant le mariage. Donc, le législateur ne fait qu'interpréter la volonté probable des futurs époux. Le législateur suppose que de cette manière, ils ont voulu gérer leurs biens acquis pendant le mariage, à moins qu'ils n'aient manifesté une volonté au sens contraire. C'est les raisons pour lesquelles cette disposition est une règle qui est supplétive. Maintenant, quelle est la nature de cet accord, c'est-à-dire l'accord de gestion des biens acquis pendant le mariage. Concernant la nature de cet accord, on peut remarquer que le législateur n'a pas précisé, bien sûr dans l'article 49 du Code de la famille, il n'a pas précisé exactement la nature de ce contrat
en termes de le considérer une entreprise ou une société ou autre chose. Alors, il n'a pas précisé. Aussi, il n'a pas fixé les conditions. Il n'a pas précisé ni des conditions, ni des faits de cet accord ou de cet acte juridique. Ceci veut dire que le législateur a laissé aux époux une liberté absolue pour conclure cet accord et pour déterminer, bien sûr, les conditions, ces conditions et ses effets selon le principe de l'autorité de la volonté, selon le principe de Mabda, ou Mabda Sultan al-Iran. Selon Mohamed Kachbour, c'est un professeur spécialiste en droit de la famille, cet accord peut perdurer même après le mariage. Pourquoi ? Parce qu'il est question d'une règle supplétive. De plus, le législateur n'a pas précisé la notion d'investissement lorsqu'il parle de fructifier. Ou de répartition, alors on parle ici de l'investissement. Alors il n'a pas précisé la notion d'investissement ou sa nature et n'a pas parlé de si le travail de la femme professionnelle au domestique ainsi que l'éducation et la prise en charge des enfants s'inscrit-il dans ce concept ou non. Enfin, l'article 49 du Code de la famille ne parlait pas du mécanisme de publicité de ce contrat à l'égard d'autrui. Par ailleurs, en vertu de la deuxième ou du deuxième alinéa de l'article 49 du Code de la famille, qui stipule, cet accord fait l'objet d'un document distinct de l'acte de mariage. Alors la lecture de cette disposition juridique permet de souligner que dans le but de prévenir tout conflit qui pourrait surgir ou survenir entre les époux au sujet de la fructification et de la répartition de leurs biens, notamment au niveau d'établissement des droits et des obligations, le législateur a donné la possibilité aux époux de convenir à un contrat séparé, un contrat ou un accord qui est séparé de quel contrat ? Il s'agit d'un contrat de gestion des biens acquis pendant le mariage. Alors, cet accord doit être indiqué ou consigné dans un document séparé de quoi ? De l'acte de mariage. Alors, il apparaît que la stipulation, telle qu'on l'a souligné de cette disposition, visait à donner la possibilité aux époux qui ont conclu leur accord de mariage avant la publication de ce code, de leur permettre ainsi de bénéficier d'un tel accord. Et aussi, contrairement au contrat de mariage, qui doit être, comme vous le savez bien, qui doit être joint à un document établi par Al-Udoul, par deux notaires traditionnels. Le législateur n'a pas précisé la forme ou le type du document de l'accord de gestion des biens des époux, à part le fait qu'il s'agit d'un document distinct de l'acte de mariage. Ceci explique la tendance du législateur a accordé aux époux la liberté de conclure le dit accord. Qu'il soit dans un acte officiel ou coutumier et que ce
soit devant des notaires traditionnels ou des notaires modernes, soit des oudouls, soit al-mu'tiq, al-mu'tiqi. Contrairement au contrat de mariage. Comme vous savez bien, le contrat de mariage qui reste que de la compétence des deux notaires traditionnels al-udul. Mais dans le but d'encourager ce type d'accord, pour éviter bien sûr des problèmes posés par au niveau des relations financières entre les époux, sur le plan pratique, le législateur a précisé que lors de la conclusion de l'acte de mariage, les notaires traditionnels al-udul ont l'obligation de dire ou d'aviser les deux époux de cette possibilité que leur offre l'article 49 du code de la famille, à savoir l'indépendance financière et la séparation des biens. Et à cet égard, le troisième alinéa de l'article 49 du code de la famille stipule que les oudouls avisent les deux parties lors de la conclusion du mariage des dispositions précédentes. Sur cette base, ou à travers, en dépit de ces explications qu'on vient de donner, le législateur a permis à ceux qui sont sur le point de se marier de se mettre d'accord sur les conditions de fructification, sur les conditions de la redistribution ou de la répartition des biens qu'ils auront acquis tout au long de leur vie conjugale, et ce par le fait de transcrire dans une forme contractuelle écrite fondée sur le principe de la volonté, un accord écrit sous forme d'un contrat qui est conclu dans un document séparé de l'acte de mariage. Alors, on est devant ici cet article qui est une nouveauté, l'article 49 du code de la famille. C'est une nouveauté introduite en 2004 concernant bien sûr la possibilité des époux, des futurs époux, d'établir un accord sur la gestion de leurs biens acquis pendant le mariage. Ceci facilitera certainement la reconnaissance de la contribution, de la participation et de la contribution de la femme dans le patrimoine acquis tout au long de la relation conjugale. Cependant, le problème ou la question qui se pose, c'est que lorsqu'il n'y a pas un tel accord, dans ce cas, comment le législateur a-t-il réagi? Ce qui fait que la question qui se pose, c'est-à-dire quoi faire dans le cas de l'absence du dit accord, et quel est le pouvoir de juge par rapport à cette absence? Est-ce qu'il doit se baser sur une liberté ou un pouvoir discrétionnel concernant les modes des épreuves? C'est une question aussi fondamentale
c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre dans la littérature, ce qui fait que la séance prochaine, on va essayer de répondre à ce problème qui se pose lorsqu'il n'y a pas un accord qui régit les biens des époux. Et puis, il faut savoir le débat qui a été derrière cette question et comment le législateur a-t-il réagi à une telle question, à un tel problème. Ce serait l'objet de la séance prochaine, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne fin de journée. Merci beaucoup pour votre attention.